Ben, très bien passé, à part au début de l'entame de match qui a été un peu difficile. Lézignan a mis le tempo d'entrée. Nous, on a beaucoup subi. C'est pour ça qu'après, ils ont un peu pris le large d'entrée. Nous, on a réussi à rester patient, comme nous l'a dit le coach, de se lâcher, de jouer, appliquer le système. Et c'est pour ça qu'après, avec la vision du jeu de Pita et Costan, ils ont trouvé des intervalles sur les côtés, que c'est pour ça qu'on a réussi à prendre le large en fin de match. Je pense que côté de nous, on a joué vachement les tenues rapidement, on les a fait subir, quoi. On les a fait subir, reculer. Après, je pense qu'ils ont fait pas mal de fautes qu'on a réussi à marquer, à leur mettre en danger, et avec la vision de Constant Iugas et Pita, qu'on a réussi, voilà, à mettre le large aussi de points, quoi. Ah oui, très 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 bon impact. Il a pris vachement de ballons. Il est pas mal, ouais. C'est un bon recrue, je pense, à côté de chez nous. Je pense, ouais, je pense surtout en deuxième mi-temps. Ouais. Comme on a bien appliqué le système demandé par le coach, je pense, ouais, ils ont été surpris, voilà. Ben Jamel, ben, il était content pour nous, il était content pour nous, pour moi d'ailleurs, il était content. Après, comme c'est difficile de jouer contre son frère, hein. On veut le meilleur pour l'un et l'autre. Tout d'abord, oui, bon, c'est une défaite surprise, donc on était certes les favoris pour ce match-là. Donc, l'avantage, c'est que le Vignèvre, au bout de 30 minutes où on menait au score 16-0, n'ont rien lâché du tout. Donc, ils sont revenus dans les dernières minutes de la première mi-temps avec deux essais, donc à ramener le score à 16-10. C'est vrai que Godinet a fait un très très bon match. Je pense que c'est une clé pour Vignèvre sur l'autre. Un demi de qualité, d'expérience, donc je connais très bien parce que j'ai joué contre lui en Super League quand il jouait à Wakefield et moi au Dragon. Donc il a su un peu remettre un peu cette équipe de Vignèvre qui était un moment en difficulté et revenir à la mi-temps à 16-0. On a fait beaucoup plus de fautes que d'habitude parce que nous sommes une équipe, je veux dire, assez disciplinée où il n'y a pas trop de fautes. Et ce cas-là, ce jour-là, je veux dire, il y a eu pas mal de fautes des en avant. Donc il y a eu un jeune joueur, malheureusement, qui a commencé avec nous et il n'a pas, c'était pas son jour à lui aussi. Mais voilà, après collectivement, ça a été un peu difficile de revenir, de remettre tout dans le bain et essayer de revenir à re-inscrire des essais. Et Vignèvre, je veux dire, à chaque fois qu'ils venaient chez nous, ils ont su le concrétiser à chaque fois, quoi, en deuxième mi-temps. Donc, après, que ce soit Lézignan ou Vignèvre, moi je suis pour les deux équipes, donc je suis content pour Vignèvre qu'ils ont gagné et un peu déçu pour nous. Aussi, après, je sais que les qualités qu'il a, c'est un joueur qui peut lui jouer pendant 80 minutes dans un poste assez difficile de piller. Donc, il se plaint jamais. Donc, ses ballons, ils sont toujours des ballons durs qu'il prend, difficile à le contrôler, difficile à le mettre au sol. Et c'est un match qui fait partie des leaders de cette équipe de Vignèvre parce qu'on a, nous, dans les vestiaires, son nom est ressorti par l'entraîneur de faire attention. Donc, c'est un joueur très important pour Vignèvre, un leader. Et hier, il a démontré encore que voilà, son jeu fait partie de cette équipe qui est importante, quoi.